decide to tell my trouble come alive. Can't wait the sun is shining, lift the sails and follow my own tide, yeah. There's a streaming in there, I'm telling. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, ça va être une journée très chill. J'ai rien vraiment d'intéressant de prévu, à part mes courses qui doivent arriver à 18h. Donc je vous montrerai un peu ce que j'ai commandé en termes de courses. Et plus tard dans la journée, je vous parlerai aussi de certaines résolutions alimentaires que j'ai faites. Donc là, il est quelle heure? Il est 10h49. Ce matin, je suis allée très slow parce que hier soir, j'ai très mal dormi. J'étais malade toute la nuit. Ce matin, ça allait un peu mieux. J'ai fait un peu de sport, un peu de yoga et tout, ça va beaucoup mieux là, mais je suis fatiguée parce que j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Donc ce matin je vais prendre les choses très lentement. Là je vais aller jouer un petit peu aux Sims parce que voilà, ça va être mon petit moment de détente de la journée. Et je pense que ce midi je vais faire de la purée de carottes. Il faut juste que je sorte le gros mixeur que je n'ai jamais utilisé, que ma mère m'avait offert à Noël, que je vois un peu comment ça fonctionne parce que je suis pas trop douée avec ces trucs là. Donc je vais faire purée de carottes, de la salade et des œufs, je pense, et je vous montrerai un petit peu tout ça. Donc voilà le programme d'aujourd'hui et let's go, c'est parti. Bon, en fait j'ai raconté n'importe quoi, c'est absolument pas un mixeur que j'avais, je sais pas pourquoi je me suis imaginé ça dans ma tête, c'était un batteur, donc absolument pas fait pour faire de la purée. Donc je sais pas trop comment je vais m'en sortir à midi. Du coup je pense que je vais essayer d'utiliser mon détox mini. J'avais peur que ce soit peut-être un peu trop pour lui, mais ce que je vais faire c'est que je vais d'abord mixer les pommes de terre, ensuite je vais mixer les carottes et ensuite je mixerai tout ensemble avec les assaisonnements et j'espère que ça va le faire. Comme je vous ai dit, là je vais me poser devant les Sims. J'ai acheté encore un pack, j'ai acheté le pack vie au travail que j'aime bien, voilà c'est cool, je trouve que ça ajoute du piment au jeu. Donc je vais me pencher un peu dessus et je vous retrouve un petit peu plus tard. Can't wait to bury the ruins of my mistakes, to only keep it the truth, yeah. There's a treasure out there, just everyone should just have to choose, yeah. J'ai laissé tomber l'idée de la purée de pommes de terre et de carottes parce que avec mon tout petit mixeur ça va pas être possible, j'ai peur de le casser, c'est pas le moment et surtout ça va pas être très pratique quoi. Donc à la place je vais toujours faire des carottes et des pommes de terre, mais je vais les laisser mijoter quelques minutes à la poêle, donc entre 20 et 30 minutes, voilà, avec un peu d'assaisonnement et tout. Donc en gros là on prend un peu tout ce qui reste dans le frigo, on a plus grand chose, c'est pour ça qu'on a commandé les courses ce matin d'ailleurs qui devraient arriver vers 18h. Donc en attendant on fait avec ce qu'on a. Voilà, donc là je vais aller mettre les ingrédients à mijoter et moi je vous retrouve un peu plus tard. Bon voilà, du coup c'est en train de cuire et en attendant je me suis dit que j'allais vous montrer la Birchbox de ce mois-ci que j'ai reçue parce que j'aimais beaucoup le design, trop mignonne. Donc voilà tous les produits qu'il y avait dans la box, il me semble que le thème c'était Beauty Cocktail si je me trompe pas. On a un rouge à lèvres de la marque Lip Power, donc c'est un rouge intense qui est vraiment magnifique. On a cette crème, donc je l'ai pas encore testée, ça s'appelle Diabolique Glaçon de chez Garantia. Mais moi Garantia c'est une marque que j'avais découvert avec la Birchbox et j'avais beaucoup aimé ce que j'avais reçu, donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Ensuite on avait cette crème pour le corps, donc c'est un lait corporel de chez Blanc Crème au thé vert et à la verveine. Alors ça, moi qui suis une vraie mamie et qui adore ces trucs, j'ai vraiment hâte de tester. Il y avait un masque pour cheveux à la papaye de chez New Seed je crois, et enfin des produits pour cheveux de chez Redken. Alors ça je sais pas du tout en quoi ça consiste, ça dit juste que c'est bénéfique pour les cheveux, donc voilà, faut bien que je lise les instructions, je sais pas trop en quoi ça consiste, mais voilà pour ma petite Birchbox de ce mois-ci. Très contente. Et pour ma tenue du jour aujourd'hui, c'est full pyjama, j'ai mis ce pull qui vient de chez Zara mais que j'ai acheté d'une ancienne collection sur un site qui revendait du Zara, et il est très confortable et tout, et j'adore le porter surtout à la maison. En plus je l'ai taché ce matin donc je suis trop triste, et j'ai mon legging Nike, donc c'est tout chill aujourd'hui et tant mieux parce que je suis KO. Je vais aller chiller en attendant que mes légumes cuisent, et je ferai les œufs et la salade un petit peu plus tard quand on va manger. Donc voilà. Escape and restart all. Oh.
Re tout le monde, alors je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est la télé qui tourne en bas parce que mon copain regarde une série. Je voulais vous faire un petit point par rapport à certains trucs concernant mon alimentation. Je pense que ça va être une grosse partie de ce vlog, donc ça risque d'être très blabla. Du coup, je vais vous parler de deux choses. Une chose que j'aimerais mettre en place et aussi je vais répondre à une question qu'on me pose énormément. Donc cette fameuse question c'est, as-tu déjà testé le jeûne intermittent? Et tu devrais tester le jeûne intermittent, pourquoi tu fais pas de jeûne intermittent, etc. Et je trouvais ça intéressant de vous répondre de manière générale pour que ce soit peut-être plus clair pour tout le monde. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, vous le savez, j'ai eu des troubles alimentaires très graves pendant très longtemps. Là ça va mieux, mais bon après j'ai quand même un background, j'ai quand même des séquelles, enfin voilà, ça reste quand même assez présent au quotidien, même si je pense que le plus dur est passé pour moi. Et le jeûne intermittent, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup recherché, c'est quelque chose sur laquelle je me suis énormément informée aussi, et j'en suis arrivée à la conclusion que ça me correspondait peut-être pas forcément, pas en ce moment. J'ai pas envie de me lancer dans quelque chose si je sais que ça peut être dangereux pour moi, dans le sens où moi la plus grosse partie de mon trouble alimentaire, et je pense que c'est la même chose pour beaucoup de gens, c'est que je pense à la nourriture tout le temps, que ce soit pour en manger ou pour m'en priver, j'y pense H24. Et je pense que rajouter quelque chose dans ma vie où je dois réfléchir aussi aux heures où je suis censée manger et aux heures où je suis pas censée manger, là maintenant tout de suite c'est pas le bon bail pour moi. Je vois que ça marche très très bien avec certaines personnes. Vu mon rapport avec la nourriture, je sais que je peux vite tomber dans l'excès et je risque de vouloir me priver trop longtemps, ou je risque de combler le vide avec trop de nourriture après avoir jeûné parce que j'ai besoin de me lâcher. Je n'exclus pas le fait d'en faire un jour si je me sens prête, etc. Mais là franchement ça me... voilà. Pourtant ça m'attire de fou parce que je vois des beaux résultats, je vois que les gens sont plus en forme et tout, mais je sais que j'ai peut-être pas la force mentale nécessaire et je préfère être réaliste et honnête avec moi-même. Et je suis à une phase de ma vie où je suis vraiment bien, où j'ai pas envie de rechuter parce que je suis à l'aise avec ce que je mange, je suis à l'aise dans mon corps. Et la deuxième chose dont j'aime vous parler aujourd'hui, c'est le fait que je veux faire une détox de sucre. Pendant ce confinement, j'ai réalisé quel était mon plus gros problème alimentaire. J'ai réalisé que j'avais pas forcément faim de mauvaise nourriture durant la journée, si ce n'est pour des trucs sucrés. Je me suis rendu compte que c'était pas genre des fruits ou des choses voilà naturelles, c'est vraiment le sucre ajouté. Je suis addict, vraiment je pense que je peux le dire. J'ai besoin de manger 2 à 3 paquets de biscuits par jour, j'ai toujours cette envie de sucre dès que je finis un repas. Il faut savoir que au-delà de mon poids et au-delà de manger sain et tout, moi dans ma famille, tout le monde est diabétique, donc je sais qu'il faut que je fasse attention et je mange énormément de sucre et c'est pas bon pour ma santé. Franchement c'est pas bon pour ma santé, et je me suis rendu compte qu'il y en avait dans absolument tout, dans le pain de mie, et le pain de mie je le saigne à chaque fois, dans les carottes râpées, dans les yaourts, légers en matière grasse ou je sais pas quoi, il y a plus de 10 grammes de sucre dans un pot, enfin c'est vraiment abusé le taux de glucides et le taux de sucre qu'on retrouve dans tout ce qu'on mange au quotidien, dans tout ce qui est industrialisé un peu. En fait, ce type de sucre, quand vous les mangez, ça vous donne un taux de glycémie, si je dis pas de bêtises, hein, je suis pas une professionnelle, qui est assez haut d'un coup, et ensuite ça va redescendre totalement et vous allez avoir faim dans les 2 prochaines heures. Donc en fait, le sucre attire le sucre, enfin vous en voulez toujours plus. J'ai besoin d'un paquet de biscuits le matin, j'ai besoin d'un dessert, j'ai besoin d'un paquet de biscuits l'après-midi, j'ai besoin d'un dessert le soir. J'ai envie vraiment de me sevrer, si c'est le mot. Après, comme je vous disais, vu mes troubles alimentaires, j'ai pas non plus envie d'amputer complètement le sucre ajouté de ma vie, parce que je sais que ça va créer une frustration chez moi qui pourra faire tout l'effet inverse de ce que je veux faire, et là je vais me replonger complètement dedans parce que je me suis privée pendant trop longtemps. Donc en fait ce que je veux faire c'est réduire mais considérablement ma consommation de sucre ajouté. Si c'est un paquet de biscuits, déjà j'ai fait mes courses aujourd'hui, j'ai pas recommandé de paquet de biscuits. J'ai essayé le porridge, j'ai essayé de commander des choses un peu plus saines, et si vraiment j'ai des envies de sucre, et ben en mettre un petit peu dans les pancakes, etc, mais des trucs que je fais moi-même. Et là je vais vous parler d'un autre truc. C'est pas que je me trouve en surpoids ou grosse, absolument pas, c'est pas ce que je dis, j'ai jamais été aussi bien dans mon corps, mais j'ai l'impression d'être gonflée tout le temps, et je pense sincèrement que c'est le sucre. Je me sens tout le temps gonflée, pas à l'aise, pas confortable, les migraines, les problèmes de digestion, je pense que tout est lié. Donc voilà, là je vais me poser, je vais lire, je vais traîner sur l'ordi, je pense que je vous retrouverai plus tard parce que je dois faire un mini ménage. Bon après-midi. Bon, du coup je me suis fait mon petit café. Je vais vous expliquer rapidement parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Je mets une capsule Nespresso, je m'y connais pas du tout en café, je mets celle que j'ai à la maison et c'est plus mon copain qui s'y connaît. Je rajoute un peu de lait d'amande, donc pas beaucoup parce qu'encore une fois il y a du sucre ajouté dans le lait d'amande, mais j'en mets très peu. Et pour donner un peu de goût sucré, en fait je rajoute de la cannelle. C'est très bon la cannelle pour remplacer le sucre apparemment, de ce que j'ai vu, et ça donne beaucoup de goût moi je trouve. Donc voilà, et là hop, je vais faire des bêtises, je suis sûre que je vais renverser tout. Et je le bois pas forcément très chaud parce que j'aime pas, du coup je laisse reposer un peu et je le bois quand il est un peu plus froid.
Bon, du coup, ça y est, les cours sont arrivés, donc je vais vous montrer hyper rapidement ce que j'ai acheté avant de clôturer ce vlog. Bon, du coup, en premier, ici, j'ai des champignons parce que j'en fais vraiment tout le temps. Ensuite, j'ai des épinards, donc ça, c'est aussi bien pour les smoothies que pour les salades ou pour faire à la poêle. J'ai aussi pris un énorme chou-fleur parce que j'aime bien ça et ça fait très longtemps que j'en ai pas pris. J'ai pris du lait d'amande parce que, vous le savez, j'en mets tout le temps dans mon café. Next, j'ai des galettes de riz, donc ça, c'est plutôt pour mon copain. Moi, je suis pas trop fan. Comme d'habitude, j'ai pris du brocoli. On a aussi pas mal de courgettes. Et puis là-dedans, on a des bananes. Et ça, c'est quoi? Ah, et des citrons verts aussi pour que je reprenne mes jus de citron le matin que j'avais totalement arrêté. Et au fond, on a quelques pommes. Dans celui-là, donc là, j'ai du liquide vaisselle parce qu'on en avait plus. J'ai pris pas mal de petits pois parce que c'est rapide à faire et c'est plutôt pratique. J'ai du thé, de la tisane, des œufs, du muesli. Et je crois que c'est tout dans celui-là. Et par ici, donc ici, on a du porridge. J'ai jamais testé et je voulais absolument tester suite à ma détox sucre. Du coup trop hâte. J'ai des crevettes, du riz, du jambon, du saumon aussi. Et enfin j'ai des petites tomates. Du coup voilà pour mes courses. C'était assez rapide mais je pense que je vous ferai une vidéo spéciale courses étudiantes, ce que je prends, ce que je mets en priorité dans mon panier, etc. Et en plus là c'était des courses assez exceptionnelles. C'était vraiment de très grosses courses. J'en fais pas autant d'habitude mais là on avait vraiment plus rien. Donc je pense que je vais clôturer le vlog ici puisqu'il est déjà assez long de ce que j'ai vu au montage. Donc moi je vous retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Salut. Let's get to it.